Aujourd'hui, cette place de l'indépendance a laissé place en partie à ce parc, le parc réservé à la jeunesse et aux familles. Ici, on est au centre-ville de la commune de Mouila, au premier arrondissement, à la place de l'indépendance. Ce lieu réunit les familles ici. C'est-à-dire que vous avez un endroit ici dédié, comme nous voyons là, aux enfants. Et ils sont en sécurité, puisque vous voyez très régulièrement, nous renouvelons le sable pour qu'ils puissent avoir un amorti. Sécurisé, révisé en permanence. On a essayé de choisir des fournisseurs qui nous permettraient d'avoir du matériel sûr. Ce château, qui permet aux enfants de monter et faire de l'escalade, a été réalisé en coque Calibreville par une entreprise et transporté et monté ici. Donc c'est un ouvrage qui magnifie le savoir-faire gabonais en termes de bois. Ici, on peut jouer au ludo. C'est vraiment des jeux qui sont connus par tout le monde, qui permettent à tout le monde, quelle que soit votre catégorie sociale, votre âge, de partager un moment, soit avec des personnes connues, soit avec des inconnus. Voilà, j'ai fait un 6. Voilà, 6 encore. Et vous avez à côté du ludo, ce damier. C'est redevenu un rendez-vous familial, un rendez-vous quotidien. Ce parc existe depuis environ 2 ans. Ludo, damier, ping-pong, très souvent, il y a des matchs de basket. Aujourd'hui, c'était un jour qui était réservé au rafraîchissement. Vous voyez, on a ce terrain de basket, on a ce terrain de volleyball. C'est le meilleur moyen d'exprimer son appartenance et surtout de répondre à une orientation donnée par le président de la République, chef de l'État, de communier avec la population de manière permanente et d'être présent. Non pas seulement dans les derniers moments, mais d'être présent au quotidien. Ici, c'est notre concession, c'est notre cours. On abrite la Ligue provinciale de boxe. Et donc, ils sont ici, on leur a dédié un espace, ils s'entraînent. Et dernièrement, nous avons commencé une série de rencontres, hein, de causeries avec la population. Mon père et ma mère ont créé un parti politique, le Parti social-démocrate. Et j'ai beaucoup de reconnaissance, je leur voue un amour, une affection qui est naturelle pour un fils. Je suis sorti d'un parti qui a été créé par eux, certes, mais qui appartient aujourd'hui à tous les Gabonais, pour entrer dans un parti qui est, lui, le Parti démocratique gabonais. Depuis des générations et des générations, des Gabonais ont cotisé pour structurer ce parti, pour le faire vivre. Et c'est un parti de masse, un parti d'élite, qui permet de s'exprimer. Et je pense que c'est tout naturellement que j'ai choisi, moi, de prendre ma route. C'est une question d'engagement. Et moi, je me suis engagé derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et mon engagement est total. Et je suis très heureux de pouvoir défendre partout où je passe le chef de l'État, sa politique, expliquer aux populations pourquoi il ne faut pas suivre les allées et retours des hommes politiques, mais pourquoi il faut rester dans la régularité.